je vais vous présenter les grandes idées de certains philosophes des Lumières, dont Rousseau, Voltaire, Diderot, Montesquieu et Kant. Il critique les monarchies absolues et l'arbitraire. Il dit qu'il faut séparer les pouvoirs afin que le roi ne puisse pas gouverner tyranniquement. Rousseau pense que l'éducation est le seul moyen de faire progresser l'humanité. Comme ça, les hommes penseront par eux-mêmes plutôt que par d'autres. Voltaire dénonce la violence, l'intolérance envers autrui. Il dit qu'il ne faut pas faire aux autres ce qu'on ne veut pas qu'ils nous fassent, et qu'il faut considérer tous les hommes comme nos frères. Il réfléchit sur le pouvoir des rois et du peuple. Il dit qu'aucun homme n'est né avec le droit de gouverner les autres, et que chaque individu a le droit d'être libre. Kant pense que les philosophes des Lumières sont des guides pour les autres et que eux seuls peuvent amener les Lumières parmi les hommes grâce à la raison. Les philosophes des Lumières réfléchissent sur la manière de vivre en société. Ils critiquent surtout la monarchie absolue et sont pour la monarchie parlementaire.